Donc, chargement des piquets, préparation des bobines, donc à première vue on fait une clôture à trois fils. Et voilà, et là c'est tout prêt. Tac. Donc ça c'est ton départ. La tête de ligne avec sa jambe de torse. D'accord. Pour permettre d'accrocher les fils au départ, mais aussi à l'arrivée. Donc, on a... nos trois fils, les guides fils. Et on accroche donc le fil du bas au décrocheur du bas. Il y a une accroche spéciale pour pouvoir, un nœud spécial pour pouvoir accrocher, donc décrocher à distance. Donc il y a les indications sur le décrocheur pour le sens d'accrochage. Donc ce sont des clôtures mobiles, aussi bien pour des ovins que des bovins. La trois fils et pas pour les ovins. Donc le mouvement au ralenti, on est sur le côté du bois, on passe, on appuie dessus, orientation 2 heures, on pousse vers l'extérieur pour que les fils soient tendus, un mouvement de poignet, quart de tour arrière, quart de tour avant, on s'arrête, et bien avec le talon, on plante le piquet. Lorsque j'ai fini ma clôture, je refais une tête de ligne pour venir accrocher mes bobines sur les décrocheurs. La clôture est donc terminée et tendue. Et tendue, je vais vous montrer comment on va pouvoir rouler dessus avec le poil. Je passe aux antennes. Qui se positionne comme ça, et mes bobines qui reviennent donc à leur emplacement. Mes guides fils. C'est un moteur électrique qui va renrouler les
fil arrière pour alimenter donc au mieux les troupeaux de bovins ou d'ovins. Ça fait plus de 15 ans qu'on utilise donc ce concept sur notre exploitation et on en est donc très satisfait. Donc merci André Delpech, donc Greg Desfargues Cabroret, éleveur depuis maintenant combien d'années, de génération en génération. Voilà. Voilà, l'expérience des professionnels au service des autres. Si vous demandez un conseil, n'hésitez pas. Merci.